Ok, on est sur un très gros chapitre. Quand je le dis, en général c'est vrai, mais aujourd'hui nous arrivons à surpasser cette vérité de façon absolument inimaginable. Imu prend la parole et dévoile ouvertement ses terrifiants pouvoirs et ceux du Gorosei face à Cobra et Sabo, une partie de l'ancien royaume et d'Eddy nous est également révélée. Découvrez alors avec moi la tragique histoire du siècle oublié, comment certains Di auraient trahi leur propre nation, en particulier les Nefertari, mais surtout la famille Marshall Di, les ancêtres de Barbe Noire, une famille à laquelle appartiendrait Imu. Les pouvoirs de cette entité maléfique proviendraient directement des plus terribles fruits du démon qu'elle aurait consommé, faisant d'Imu la personnification même de la malédiction des mers. Installez-vous bien pour cette nouvelle review les bros, je vous invite également pour soutenir gratuitement mon travail à laisser un like à cette vidéo si elle vous plaît. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. Merci à vous et commençons sans plus attendre par la review de ce chapitre 1085 de One Piece. Le chapitre commence par la prise de parole d'Im, ou du moins d'Imu. C'est comme ça que je vais m'efforcer de le ou la surnommer désormais, puisque Imu se nomme soi-même Mu. Cobra semble reconnaître ce nom qu'il semble similaire à l'un des 20 premiers rois fondateurs du gouvernement mondial. Une réponse qu'Imu ne lui laissera pas entendre, et un monologue sur les Di commencera alors. Imu raconte que les Di sont leurs ennemis du passé, que les Di actuels n'ont aucune idée de la signification de cette lettre, mais que Nefertari Dili, l'ancienne reine d'Alabasta, serait à l'origine d'une grande erreur, ayant permis à une partie de l'histoire antique de se propager partout dans le monde par le biais des poneglyphes. Une grande erreur, ou plutôt un plan d'une envergure sans précédent, c'est la théorie qu'Imu dévoile. Lily aurait volontairement éparpillé les poneglyphes que les savants d'Ohara ou même les pirates actuels recherchent avec ardeur. Pour Imu, la réponse à cette hypothèse ne peut que se trouver dans la lettre de Lily. En effet, l'ancienne reine d'Alabasta porte elle aussi le Di dans son nom. Nefertari Di Lily, les Nefertari font eux aussi partie de ce clan antique, pourtant considérés comme ennemis des dieux, les dieux que sont censés représenter le gouvernement mondial auquel ils font partie. Alors, on peut déjà s'arrêter ici. Vous devinerez aisément qu'on a pas mal de choses à dire et à analyser dans cette partie qui va finalement beaucoup parler de l'histoire même de One Piece, en particulier celle des Di. Imu confirme une nouvelle fois et ultimement que les Di sont bien le clan vivant à l'époque dans l'ancien royaume. C'était déjà sous-entendu et compris de cette manière depuis plusieurs années, mais les mots venant d'Imu donnent une toute nouvelle dimension à cette hypothèse. Les Di sont les gens qui étaient nos ennemis par le passé. Quand on sait que la théorie de Clover sur l'ancien royaume voulait qu'il fût détruit par ce qui allait devenir le gouvernement mondial, donc les 20 royaumes, et que Corazon, ancien Tenryubito, déclare que sur Marie-Joise, les Di étaient considérés comme les ennemis naturels des dieux, tout faisait déjà sens à l'époque, et tout fait davantage sens aujourd'hui. Les Di seraient bel et bien le clan vivant par le passé dans l'ancien royaume, à l'image de certains clans comme les Lunarians vivant au sommet de Red Line ou même aux Skypeiens vivant dans le ciel. Cependant, tout ne doit pas être aussi facile que de dire « l'ancien royaume est égal dit ». Il doit forcément y avoir une subtilité supplémentaire à comprendre car bien les Nefertari sont aussi des Di. Cette révélation change bien plus de choses que vous ne pouvez l'imaginer, déjà car cela signifie que l'ancien royaume s'était créé des ennemis venant de leur propre clan, comme en témoignent les Nefertari qui ont œuvré aux côtés de 19 autres royaumes pour les faire chuter. Mais pas seulement, tous les Di ne vivaient pas sur l'ancien royaume, comme en témoigne une fois encore la présence d'une lignée royale de Di sur Alabasta. Nous savons que le palais d'Alubarna, capitale d'Alabasta, fut créé il y a plus de 4000 ans. Si la famille royale des Nefertari est alors aussi vieille que son palais, il ne vivait pas sur l'ancien royaume, bien qu'il fasse partie de leur clan. Alors que faut-il comprendre? Les Di viennent de l'ancien royaume, mais pas totalement non plus? Eh bien, d'après ma théorie à leur sujet, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a plus de 1000 ans, certains Di ont quitté l'ancien royaume dont ils étaient originaires pour créer leur propre nation. Ce même royaume antique fut créé autrefois par les êtres provenant de la cité lunaire de Bilka, considérés alors comme les dieux créateurs de la lignée des Di. Également créateur des armes antiques, l'ancien royaume s'est vu par la suite trahi par certains d'entre eux et d'autres royaumes jalousant leur rôle et leur pouvoir divin. C'est la raison pour laquelle le trône vacant fut installé sur Marie-Joise, le centre du monde, et qu'aucun roi n'était autorisé à s'asseoir dessus. Le gouvernement mondial ne voulait plus vivre avec aucun dictateur ni aucune puissance supérieure après avoir vaincu l'ancien royaume. Mais ça, Imu en a décidé autrement. Remontons au 24 février 2017. Je vous exposais ma première théorie sur les Di et leur histoire avec l'ancien royaume. Je vous laisse écouter ce court passage. Je pense qu'il y a de ça plus d'un millénaire, bien longtemps avant le vide de 100 ans, l'ancien royaume regroupait toute race et sorte d'humains, allant de géants à hommes poissons et j'en passe. Avec le temps et le manque de place qui se faisait ressentir,
certains habitants ont créé leur nation indépendante. Comme vous avez pu le comprendre, ma théorie autour d'Eddie et de l'ancien royaume est que ce clan a fini par se séparer il y a plus de 1000 ans. Leur nation était effectivement en paix, tout en regroupant toutes les races du monde de One Piece. Mais le manque de place et le besoin de liberté de chacun s'est fait alors ressentir, ce qui a conduit certains d'entre eux à s'exiler et fonder leur propre pays, leur propre nation, comme Wano Kuni, l'île des hommes-poissons ou même Alabasta, si on en croit ce chapitre. Cette hypothèse pourrait alors expliquer à la fois pourquoi les Di viennent bien de l'ancien royaume, sans forcément vivre sur l'ancien royaume, tout simplement car ils ont quitté cette nation pour créer la leur. Les Di seraient donc naturellement des rois à l'origine de grands peuples vivant aujourd'hui sur Grand Line, mais nous ne le savons pas encore. Dans cette même théorie datant de 2017, je vous expliquais également que c'était la raison pour laquelle je pense que les Kozuki ont le Di dans leur nom, ce qui serait aussi le cas dans la famille de Shiraoshi qui serait elle-même descendante des Di. Concernant cette dernière, j'ai deux arguments supplémentaires. Neptune explique que les hommes-poissons ont élu domicile sous les eaux il y a très longtemps, ce sont eux-mêmes qui ont créé l'île. Ce qui signifie que, ironiquement, l'île des hommes-poissons n'est pas l'île natale des hommes-poissons, et qu'ils vivaient auparavant ailleurs, exactement comme les Minx. Ce ailleurs, vous l'aurez compris, serait l'ancien royaume. Ensuite, tout porte à croire que l'ancien royaume possédait une ou plusieurs armes antiques. Peu importe, cette nation savait absolument tout de ses puissances. C'est ce qu'a sous-entendu Rayleigh au chapitre 967. Avant de se rendre sur Laftel, les pirates de Roger n'étaient pas intéressés par les armes antiques, mais par le peuple qui les a nommés ainsi. Ce peuple serait alors le peuple des Di. En parlant de Di, Lily, qui en était justement une, gardait précieusement dans son tombeau royal un poneglyphe recelant l'emplacement et les secrets de Pluton, encore une arme antique. Et évidemment, Poséidon semblait être vivante à l'époque de la chute de l'ancien royaume, puisque Joy Boy a écrit une lettre d'excuse à la princesse Sirène. N'oubliez pas que Otohime, la mère de Shiraoshi, parlait d'une légende au sein de leur royaume disant qu'une fois ou deux tous les millénaires, une sirène avec le don de Poséidon voit le jour, ce qui coïncide parfaitement avec l'époque du siècle oublié datant de 900-800 ans. Tous ces éléments sont parvenus à me convaincre de l'ampleur qu'a pris l'ancien royaume grâce à sa population, dont une grande partie s'est dispersée aux quatre coins du monde pour fonder leur propre nation. C'est d'ailleurs un thème que nous avons pu découvrir sur Wano Kuni, quand une branche des Shimotsuki a quitté le pays des samouraïs pour rejoindre East Blue et par conséquent créer une nouvelle lignée de samouraïs à des milliers de kilomètres de leur terre natale. Vous comprendrez donc que les Di sont à mon sens bien plus nombreux que l'on peut le croire. Je n'avais clairement pas anticipé que les Nefertari puissent en faire partie, bien que je n'en sois pas finalement spécialement étonné. Par contre, je vois parfaitement les Kozuki en faire partie, avec la famille Neptune faisant de Momonosuke et Shiraoshi des Di. Sans omettre les géants d'Elbaf, dont le prince Loki semblait si puissant et important que Big Mom voulait le marier à sa fille Lola. Une lignée aussi antique que celle d'Elbaf, redoutée par le monde entier, je serais pas étonné que Loki soit également un descendant d'Eddy. Mais finalement, d'où viennent les Di ? Ou devrais-je dire, d'où vient l'ancien royaume ? Qui en sont à l'origine ? À mon avis, que ce soit cette nation ou même les armes antiques, tous proviennent des mêmes êtres. Les êtres lunaires de Bilka. Ces dieux créateurs venant de l'espace auraient construit avec leur technologie hyper avancée ce qui deviendrait plus tard l'ancien royaume qui abriterait le clan des Di. Ils seraient également à l'origine des pouvoirs des armes antiques, expliquant ainsi pourquoi ils sont nommés à la fois comme des divinités, mais aussi comme des planètes de notre système solaire. C'est cette origine semi-divine dont jouissent les Di qui aurait suscité jalousie et envie chez les autres royaumes, allant même jusqu'à corrompre le clan Nefertari, les poussant à trahir les autres porteurs du Di. Mais comment et pourquoi certaines familles sont allées jusqu'à trahir leur propre nation, allant jusqu'à la pousser à l'effondrement. Encore une fois, c'est une notion qui se retrouve dans l'histoire de Wano Kuni. Plusieurs familles ayant un nom lié à la lune, que l'on va assimiler aux Di de l'ancien royaume, et dont l'une d'entre elles, les Kurozomi, trahira les autres pour atteindre le sommet. Si on calque ce scénario à l'ancien royaume, quelle famille trahira les Di ? Effectivement, nous avons les Nefertari qui viennent à la fois de l'ancien royaume, mais qui se sont pourtant alliés à 19 autres royaumes pour le faire chuter. On peut alors les catégoriser comme antagonistes, pourtant ça a l'air un peu différent. Il semble que Lily ait délibérément fait une erreur, ayant conduit à éparpiller les poneglyphes partout dans le monde, et donc à avoir les conséquences que l'on connaît actuellement. Je dois dire que ce péché me rappelle étrangement celui de Zunesha qui a valu d'être maudit à errer sur les mers. Je sais pas encore comment, mais j'ai l'impression que c'est lié et que Lily fut peut-être maudite par la même entité ayant maudite Zunesha. Quoi qu'il en soit, Lily, bien qu'elle ait pu trahir l'ancien royaume, avait semble-t-il une quête. Comme Imu le dit, un plan plus grand serait à l'origine de l'erreur qu'elle a commise dispersant les poneglyphes dans le monde. En gros, et tout comme n'importe quel dit qui se respecte, Lily avait une volonté en elle. Elle avait un désir en elle qui ne pourrait être accompli qu'à l'époque de la renaissance de Joy Boy. Cette volonté a traversé le temps et sera héritée par un personnage qui serait, à mon avis, Kozuki Oden. En effet, le lien entre Lily et Oden n'est pas si improbable, puisque la reine d'Alabasta a, comme je
je vous l'ai dit, un lien direct avec l'arme antique Pluton, la même arme antique qu'Oden a voulu libérer pour l'arrivée de Joy Boy. Si cette idée est la bonne, alors Lily devait également connaître Joy Boy, au point qu'ils soient amis, formant ainsi un parallèle entre Lily et Joy Boy et Vivi et Luffy. Ce qui expliquerait ainsi les derniers mots de Cobra récitant la lettre de son ancêtre, protéger le ponyglyphe et lever le drapeau qui annoncera l'aube sur le monde. Celui qui peut lever l'aube, c'est Joy Boy et donc Luffy. Protéger le ponyglyphe, en particulier celui d'Alabasta, revient à préserver l'arme antique de Pluton se trouvant sur Wano Kuni. Et c'est justement sur Wano Kuni que Joy Boy s'est réveillé pour la première fois après 800 années d'errance. Pas seulement, Wano Kuni et donc Pluton par extension sont désormais protégés par Momonosuke et ses samouraïs. Et rappelez-moi ce que leur a donné Luffy avant de quitter Wano Kuni, son drapeau. Le Jolly Roger des Mugiwara serait le drapeau qui annoncera l'aube sur le monde. Il est le symbole d'Eddie et de l'ancien royaume, mais par-dessus tout, il sera utilisé sur Pluton, l'arme antique que Lily a protégée avec ses alliés samouraïs. Mais alors, si les Nefertari ne sont pas les vrais méchants traîtres dans cette histoire, qui est-ce? Qui sont les vrais traîtres, les 10 corrompus, qui auraient pu véritablement faire chuter l'ancien royaume? Eh bien, si je vous disais qu'il s'agirait de la famille d'Imu, révélée aujourd'hui comme étant l'un des 20 rois créateurs du gouvernement mondial, et que cette famille porte le nom des Marshall D. Alors nous sommes effectivement toujours qu'à la première partie de cette review, celle parlant de l'histoire de l'ancien royaume, de Lily, etc. Prochainement, nous allons analyser les pouvoirs d'Imu et du Gorosei, puisqu'ils sont, comme vous l'aurez constaté, autant intrigants qu'incompréhensibles. Mais j'ai besoin de prendre un petit peu d'avance pour conclure cette théorie. Et cette partie. En effet, et même si je persiste à penser qu'Imu détient les pouvoirs d'Uranus, une chose est certaine dans ce chapitre, son propre pouvoir, son fruit du démon, est à l'opposé de ce que serait Uranus. Si ce dieu est davantage lié au climat, au ciel et même aux étoiles, Imu a de son côté démontré un pouvoir bien plus diabolique, plus obscur, plus ténébreux. Ténébreux, c'est justement le terme exact pour décrire ce que nous venons de voir et on n'aurait aucun mal à imaginer Imu posséder un fruit du démon avec cet élément. Hélas, c'est déjà le cas pour quelqu'un, Marshall D. Teach. Alors comment faire le lien entre Imu, Teach et leurs pouvoirs étonnamment semblables? Pour ça, il faudrait se plonger dans la mythologie grecque et s'orienter vers sa déesse primordiale de la nuit, Nyx. Si vous suivez les travaux de Nina, vous devez bien connaître le lien entre Nyx et Imu puisqu'elle en a fait une théorie il y a de ça 5 ans. Si ce n'est pas le cas, alors je vous invite clairement à aller y jeter un œil. Nyx se trouve être la divinité de la nuit et l'un des premiers dieux conçus par le chaos lui-même. Ce qui est intéressant, c'est que Nyx était redoutée par tous les dieux, même par le puissant Zeus qui n'osait pas l'affronter tant elle était puissante. Mais par-dessus tout, elle a comme époux Ereb, le dieu des ténèbres, et c'est là qu'on pourrait toucher du doigt une théorie très intéressante. En effet, Marshall D. Teach est un dieu particulier, en tout point différent des autres. Mauvais, manipulateur, lâche, le seul lien qu'il a avec ce clan est la volonté qu'il transporte. Teach a une volonté absolument gargantuesque. Il veut tout, il désire tout et il réussit à la perfection. C'est d'ailleurs pourquoi le nom de Teach devait être à l'origine non pas Marshall, mais Everything, qui se traduit en français par tout. Toutes les choses. Teach a alors bel et bien un désir de tout obtenir et ce désir, tout comme n'importe quelle volonté héritée, il aurait obtenu de ses ancêtres, de la famille Marshall D qui occupait l'ancien royaume. Ces derniers auraient trahi leur nation pour obtenir tout le pouvoir et Imu aurait été le cerveau. Pas seulement, comme n'importe quelle dynastie, elle partageait le nom de son mari, un Marshall D également, qui aurait utilisé sa puissance pour renverser la nation d'où vient son clan. Comme je l'ai dit, Nyx était la femme de Ereb, dieu des ténèbres, et ce couple, nous pourrions alors le retrouver dans One Piece avec la reine Imu, déesse de la nuit utilisant le vide et les cauchemars avec son fruit du démon, et le roi, Marshall D, dieu des ténèbres possédant le Yami, Yaminomi, exactement le même que leur descendant possédera des siècles plus tard. C'est peut-être la raison pour laquelle on retrouve tant de similitudes chez Imu et Teach. Imu est caché aux yeux des gens tout en contrôlant le monde. Teach a attendu caché dans l'ombre de Barbe Blanche pour prendre le Yami Yaminomi. Tous deux ont un corps exceptionnel. Imu semble être immortel et avoir vécu il y a 800 ans. Teach, quant à lui, semble être maudit et ne peut dormir. Ils ont tous les deux la volonté de régner sur le monde et ils y parviennent parfaitement, sans omettre leur statut d'antagoniste final de One Piece. Alors qu'à la révélation d'Imu, on pouvait se questionner sur qui représentera véritablement l'ennemi ultime de Luffy entre le roi du monde au sommet de Marie-Joise et le Yonko des ténèbres, la réponse se trouve peut-être dans cette théorie aujourd'hui. Si Imu et Teach font partie de la même famille, alors ils symbolisent tous les deux en même temps les antagonistes finaux de One Piece, la famille Marshall contre la famille Monkey.
Et pour finir, évidemment, leur pouvoir. Si Imu est vraiment Nyx, ses pouvoirs pourraient totalement correspondre avec les horreurs et les monstres de la nuit. Et si Barbe Noire est bien l'héritier des pouvoirs de son mari, Ereb, eh bien le Yami Yami no Mi, fruit des ténèbres, colle parfaitement à la description du dieu des ténèbres. Depuis le début, la volonté de la dynastie Marshall aurait alors été héritée par Teach, qui s'apprête à reproduire le même scénario que ses ancêtres, à régner sur le monde à tout prix, même s'il doit trahir son propre clan. Et quand on prend du recul, cette théorie pourrait expliquer un tas de choses. Si Imu avait les photos de Luffy et Barbe Noire, c'était car elle savait que l'un était l'héritier de Joy Boy et l'autre était l'héritier des Marshall. Mieux encore, Teach a très récemment exprimé son désir, et ce pour la première fois, de devenir roi de son propre pays, d'avoir son royaume à lui. Et si c'était l'indice ultime créant un parallèle avec les événements du siècle oublié et de l'ancien royaume, que les Marshall ont également créé leur propre royaume pour contrer celui de Joy Boy. Il est en tout cas très clair que si chaque dit hérite d'une volonté, Teach l'a fait lui aussi. Je trouve les similitudes entre Imu et Barbe Noire désormais trop importantes pour ne pas essayer d'y trouver un lien. Si Teach est tant maléfique, c'est par la volonté de destruction et de domination qu'il a hérité de ses ancêtres. Et si Imu déteste tant les dits, c'est peut-être que sa haine pour l'ancien royaume lui a fait rogner ses véritables origines. Nous allons donc pouvoir passer à la suite avec l'analyse un peu plus globale des pouvoirs qui nous ont été présentés dans ce chapitre, autant par Imu que par le Gorosei. J'aimerais cependant revenir sur un simple point mentionné par Cobra lorsqu'il réalise qu'il va mourir. Ils ne laisseront jamais personne savoir que le plus grand tabou du monde a été brisé. Le terme du tabou m'intéresse fortement, car chaque fois qu'il est mentionné, il concerne le gouvernement mondial. La dernière utilisation de ce mot remonte au chapitre 957, un chapitre que vous connaissez bien, puisqu'il vous a dévoilé une partie des événements de God Valley. Dans celui-ci, Sengoku nous explique que les Rocks avaient attaqué les Tenryubito et leurs esclaves, mais par-dessus tout que Chebec avait mis le doigt sur un tabou du monde. Je le pensais avant, je le pense encore plus aujourd'hui, mais le tabou qu'aurait découvert Chebec serait en réalité l'existence de Imu, qui se trouvait là-bas sur God Valley, l'île des dieux. Et ça serait après cette grande découverte qui ne devait pas être révélée au monde, qu'Imu décida d'anéantir le reste de l'île exactement comme elle l'a fait avec Lulusia. Nous arrivons finalement à la partie vraiment spéciale de ce chapitre. Après que Cobra ait donné le vrai nom de Lily à Imu, il se voit être transpercé d'une flèche avant que Sabo n'intervienne pour tenter de le sauver, forçant par son feu à révéler les véritables formes d'Imu et des membres du Gorosei. Des silhouettes monstrueuses qui ne font qu'épaissir le mystère autour des plus grandes puissances du gouvernement mondial. Oui, j'utilise le terme de puissance, car officiellement le Gorosei démontre une capacité entière et totale à prendre part à un combat, en particulier grâce à ce qui semble être leur fruit du démon. Saturne qui se rend sur Egghead n'était donc pas une démonstration de diplomatie, mais bien une démonstration de force. Le Gorosei doit avoir l'un des plus grands pouvoirs du gouvernement et de la marine, et c'est ce qu'il faut pour protéger Imu, bien qu'il ou elle semble encore plus puissant. Au final, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir qui sont-ils. Que sont-ils? D'où viennent ces pouvoirs et quelles justifications pouvons-nous en tirer? Pour le coup, désolé, ça va être très compliqué. À vrai dire, je ne suis sûr de rien, mais je vais quand même vous exposer les premières théories que j'ai eues avec la lecture à chaud. Alors, que nous cache le Gorosei? Tout porte à croire qu'il possède des fruits du démon, ce qui n'est pas tant une grande surprise. Par contre, il possède apparemment des zones mythiques, et ça, c'est pas anodin. Vous avez dû remarquer que dans One Piece, Oda est allé très crescendo pour introduire les différents pouvoirs de son œuvre. À l'introduction des fruits du démon, que Luffy a dû affronter, on a commencé avec Baggy, un paramécia, et c'était déjà assez spectaculaire à en juger la réaction des personnages en général. Puis on est passé sur la catégorie supérieure, les Logia. Là, c'est devenu un petit peu plus sérieux, fallait trouver le bon point faible. Pour finir, nous avons eu les Zoan, leur modèle mythique et leur forme éveillée. Et je pense que c'est quasiment tout ce qui va nous attendre désormais. Les prochains adversaires de Luffy et les prochaines grandes puissances antiques en général seront désormais les plus redoutables fruits du démon existants au monde, et une majorité d'entre eux seront des Zoan mythiques. Déjà, car ce sont des pouvoirs qui cachent encore de nombreux secrets, car Oda les met extrêmement en avant depuis plusieurs mois et plusieurs dizaines de chapitres, et puis tout simplement car Luffy est devenu lui-même un Zoan mythique, ce qu'il fait qu'il devra affronter les possesseurs de même fruit du démon. De toute façon, quand on voit les nouvelles capacités de Luffy en Gear 5, on se doute bien que les Zoan mythiques éveillés procurent tous un pouvoir bien supérieur à toutes les catégories de fruits du démon. Bon, alors qu'en est-il des pouvoirs du Gorosei? Vous aurez compris de mon raisonnement, et je pense que de toute façon vous l'aurez compris de vous-même, il semble avoir un Zoan mythique. Plus précisément, la première idée qui m'est venue en tête est qu'ils possèdent tous l'attribut d'un animal directement relié au dieu auquel ils sont associés. Par exemple, Jay Garcia Saturn, qui serait donc lié au dieu et à la planète du même nom, serait également lié à un des nombreux animaux que l'on attribue au dieu Saturne. En l'occurrence, il s'agit d'un bouc ou d'un bélier. Et problème, l'ombre de Saturne ne semble pas décrire le physique d'un de ces animaux. Sur un malentendu avec les cornes, ça peut passer,
mais je suis pas fan. Pourtant, et à l'inverse, on distingue facilement une sorte de rapace. Eh bien, il faut savoir que l'aigle est souvent relié à Jupiter dans les mythes. Donc, ce personnage serait Jupiter et aurait un zoan mythique de l'aigle. Sauf que voilà, bah c'est tout. Impossible de trouver une autre forme de logique chez les autres ombres. Bon, pour ma défense, on voit vraiment rien, hein, et on sait que les ombres chez Oda, ça veut tout et rien dire à la fois. Et j'aime vraiment pas baser mes analyses dessus, tant c'est bancal finalement. Alors si, j'ai quand même pensé à autre chose. Nous avons peut-être là une autre forme d'éveil de fruit du démon, c'est-à-dire que l'on sait que les Zoan éveillés perdent la raison et le véritable instinct de l'animal ressurgit. C'est ce qui semble s'être passé avec le Gorosei qui, en plus de faire très peur, on va pas se le cacher, réagissent de manière très primitive, tout en étant apparemment galvanisé par la réaction d'Imu. Alors peut-être qu'il faut d'abord comprendre le pouvoir d'Imu pour comprendre celui du Gorosei. Et c'est ce qu'on va essayer de voir dès maintenant. Imu a donc également dévoilé une partie de ses pouvoirs. Nous avons pu découvrir deux techniques que sont la flèche venant des ombres et la transformation en monstre capable d'engloutir le feu de sabot. Pour l'espèce de flèche, ça m'a énormément rappelé les attaques éveillées de Doflamingo. Est-ce réellement un hasard quand on connaît son lien avec le gouvernement et le trésor national de Marie-Joise? J'ai un petit doute. Pour la forme de monstre, eh bien c'est aussi ce qui m'a fait penser à un lien avec Nyx, la déesse de la nuit, comme si Imu était la représentation d'une espèce de terreur cauchemardesque à laquelle on ne peut ni donner forme ni visage. Ce pouvoir serait en réalité l'essence même des fruits du démon. Imu aurait le fruit du démon le plus démoniaque qui puisse exister, celui de la nuit ou même du cauchemar, faisant de ce personnage un parfait nouvel antagoniste à Luffy qui doit faire lever l'aube qui représente le soleil et qui réalise le rêve des gens. Imu et Barbe Noire représenteraient tout l'aspect contraire, les ténèbres, la nuit, ils sont les démons que l'on retrouve dans le mot fruit du démon. Imu aurait alors peut-être le pouvoir de contrôler tous les fruits du démon en étant elle-même le démon originel. C'est peut-être elle qui a contrôlé, tel des pantins, le Gorosei et leur a donné ses formes monstrueuses. Au final, Imu en personne ne ressemble peut-être qu'à cette ombre que l'on voit depuis le chapitre 906. Imu n'aurait ni visage, ni couleur, ni corps, car celui-ci aurait été consumé par le démon en personne, ne laissant que transparaître ses yeux rouges vifs. Pas seulement, nous sommes actuellement au chapitre 1085 et précisément 700 chapitres plus tôt, au 385, la vraie nature des fruits du démon est évoquée par Jabura et le reste du CP9. D'après lui, détenir un pouvoir signifie avoir un démon à l'intérieur de son corps et s'il rentre en contact avec l'un de ses fruits, alors son corps risque d'exploser en 1000 morceaux après le conflit entre les deux démons. Une légende qui sera démentie par Blueno, expliquant que ce procédé n'arrive que lorsqu'une personne consomme deux fruits du démon. Et si ils avaient finalement tous les deux raison, Imu aurait également la capacité de consommer plusieurs fruits du démon, ce qui expliquerait qu'elle n'ait désormais plus de corps. Elle fut consumée par son désir de pouvoir et de puissance que seuls les fruits du démon pouvaient lui conférer au détriment de son apparence. Sa malédiction aurait atteint un tel niveau que son existence même aurait été altérée. Elle est le démon avec le pouvoir d'autres démons. Il n'est pas possible que Barbe Noire soit le seul être à avoir mangé plusieurs fruits du démon dans toute l'histoire de One Piece. Car si Teach a pris le risque de consommer le Gura Gura no Mi tout en ayant le Yami Yami no Mi, c'est qu'il savait que c'était réalisable, il connaissait cette légende. D'après Marco, cette prouesse viendrait de son corps qui est différent et spécial, peut-être car cette particularité est propre à la dynastie des Marshalls, de la même manière que les pouvoirs des Armantiques s'héritent d'une génération à l'autre. Si je reste sur ma théorie, Kimu fait partie de cette famille, alors cela pourrait expliquer qu'elle-même pouvait manger plusieurs fruits du démon, mais que sa soif de pouvoir l'a littéralement transformée en démon. Là-haut, dans la Terre des Dieux, siégerait alors le démon primordial et ça serait le plus grand paradoxe de One Piece. Alors qu'en est-il des théories sur les Armantiques et le lien qu'Imu pourrait avoir avec Uranus? Très clairement, rien ne la relie à ce pouvoir après la démonstration de puissance qu'elle nous a fait aujourd'hui. Pourtant, il faut différencier fruit du démon et Armantique. Imu pourrait parfaitement avoir l'Armantique Uranus tout en possédant à l'inverse des pouvoirs démoniaques, comme elle nous l'a montré aujourd'hui. J'ai d'ailleurs remarqué quelque chose dans ce chapitre qui pourrait apporter une nouvelle forme de cohérence à cette théorie. En effet, parmi les ombres monstrueuses du Gorosei que nous avons vues, deux d'entre elles semblaient avoir le Tenné, le foulard autour des épaules qui semble être symptomatique chez les utilisateurs de Zoan ayant éveillé leurs fruits du démon. En plus de confirmer qu'ils ont des Zoan éveillés, les Tenné sont généralement portés par les divinités telles les Nyo, dont le rôle est de protéger Bouddha. Ce qui tombe très bien puisque les katakana d'Imu signifient Bouddha en japonais, mais ce n'est pas tout. En effet, les personnages ayant le rôle de protecteur, voire de divinité protectrice, se sont fait nombreux dans One Piece et ironiquement, dès l'apparition des Armantiques. Les trois frères Neptune qui ont eu pour mission de leur mère de protéger Shiraoshi, l'Armantique Poséidon, possèdent eux aussi ce fameux foulard associé aux divinités protectrices.
Plus récemment, Luffy et Yamato ont chacun dévoilé la forme éveillée de leurs Zoans mythiques, et bien évidemment le Tenné est lui aussi apparu. Yamato est bel et bien considéré comme protecteur de Wano Kuni grâce à son fruit du démon, et Luffy l'est également puisqu'il a libéré ce pays du démon Kaido. Étant donné que Pluton se trouve ici, Luffy et Yamato sont donc aujourd'hui les protecteurs de cette arme antique. Et vous l'aurez finalement compris, la présence de deux membres du Gorosei portant le Tenné symboliserait alors qu'ils sont les protecteurs d'une divinité Imu, en l'occurrence l'arme antique Uranus. Nous pouvons en tout cas être sûrs que Imu et ses 5 gardiens sont prêts à dévoiler des pouvoirs absolument uniques dans One Piece. La terreur qu'ils inspirent est à mon sens à la hauteur de la puissance qu'ils possèdent, ce qui confirme que les Tenrubito cachent bien leur jeu depuis plus de 1085 chapitres. Dites-moi ce que vous avez pensé de mes théories jusqu'à présent, car nous arrivons enfin dans l'analyse de la dernière partie de ce chapitre. Nous ne sommes pas les seuls à avoir découvert la terrible mort de Cobra attaquée par Imu et le Gorosei. En effet, un roi était présent, espionnant toute la scène, Weppol. Jamais la curiosité n'aura autant porté préjudice. Weppol, témoin de ce qu'il n'aurait sans doute ni voulu ni dû voir, a quitté Marie-Joise en portant avec lui Vivi détenue par le Seiforpol. On connaît cependant le destin du roi et de la princesse puisqu'au chapitre 1074, ils se retrouvaient ensemble dans le navire volant de Morgan Big News. D'ailleurs, c'est l'air apeuré de Weppol qui m'a fait dire ceci dans la review du chapitre 1074. La présence de Weppol, quant à elle, peut être justifiée par le chapitre 956 où il a tenté de prendre contact avec Morgan pour lui faire fuiter une info. Étant donné sa présence à la rêverie, il ne fait aucun doute que Weppol a découvert un secret ou a vu quelque chose de ses yeux, qu'il n'aurait jamais dû voir, expliquant pourquoi il craint tant à sa vie. Peut-être qu'il a appris que le gouvernement avait une arme capable de détruire des îles, comme Lulusia. Peut-être qu'il a appris qu'un complot visait les rois qui ne sont pas des Tenrubito, expliquant pourquoi il a peur pour sa vie. Peut-être qu'il a découvert que c'était le gouvernement qui a voulu faire disparaître Cobra, ou peut-être qu'il a appris pour Im, tout simplement. Eh bien, j'étais pas loin du compte finalement. Weppol a bel et bien découvert toute la vérité, ce qui explique alors son comportement et sa présence aux côtés de Vivi. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est forcément de savoir que va-t-il advenir d'eux, de Weppol et de Vivi. Concernant Weppol, il n'a strictement aucune chance de garder sa place à la rêverie et je soupçonne même son royaume, Black Drum, de bientôt se faire annihiler façon Lulusia. Je pense que l'explication du pourquoi et du comment est plutôt claire. En tout cas, il ne pourra plus retourner sur son île, qui se verra sans doute radié du gouvernement d'une façon ou d'une autre. Son futur est intrigant, mais finalement, s'il rejoignait Luffy, je veux dire rejoindre Luffy dans la bataille contre le gouvernement. Weppol va changer, c'est sûr. Quand on voit qu'un personnage aussi abject comme Yozgard est devenu bon, ça peut totalement être pareil pour Weppol, et ce changement signerait alors une alliance pour détruire le gouvernement. Et concernant Vivi, c'est là que ça devient plus compliqué. Elle doit retourner à Alabasta qui a perdu sa famille royale. Pourtant, sera-t-elle en sécurité là-bas? Deux options alors s'offrent à nous, soit elle rejoint un groupe tel que Luffy et intègre son équipage, ou même elle rejoint les révolutionnaires, puisque Sabo doit lui avouer la vérité sur sa famille et qu'elle possède le dit dans son nom, soit elle retourne sur Alabasta, et dans ce cas le royaume perd potentiellement son statut d'affilié du gouvernement également, qui pourrait décider à tout moment d'aller récupérer le poneglyphe annonçant la position de Pluton. On s'en rend peut-être pas forcément compte, mais à cause de ce poneglyphe, Alabasta peut totalement devenir le point central de la guerre ultime et de l'intrigue finale. C'est sur Alabasta que Pluton est décrit comme reposant à Wano Kuni, chose que personne n'est censé savoir à part les créateurs des poneglyphes et ceux pouvant les lire. Le scénario final mettant en danger deux pays affiliés à Luffy se dessine alors devant nos yeux. Imu ordonne la destruction ou la récupération du poneglyphe d'Alabasta, ce qui passera par la chute de la dynastie Nefertari. En découvrant ou en récupérant le contenu de ce poneglyphe indiquant Pluton sur Wano, Imu pourrait alors jeter son dévolu sur la nation des samouraïs qui regorge d'encore tant de secrets sur le siècle oublié. Une chose est sûre, personne ne va survivre au courroux du roi ou de la reine du monde. Maintenant que plusieurs personnes connaissent son identité, il ne faudra pas longtemps avant que la terre entière soit plongée dans un chaos sans précédent. Heureusement, la volonté du dit ne s'éteindra pas et Joy Boy parviendra à hisser le drapeau qui accueillera l'aube sur le monde.